Et salut à tous, c'est Formiagi du 92, membre de la chaîne French Pen Youtubeur. On se retrouve donc pour la quatrième manche de mon championnat de France de GT et LMP, GT et Prototype. Donc c'est de quatrième manche, alors donc déjà pré-formise, donc tout simplement hommage. On y sera suite aux attentats du 14 juillet, la nuit du 14 juillet, c'était il n'y a pas longtemps. Et donc, bien sûr, donc je roule avec une Peugeot 908 HDFAP, base modèle que j'ai modifié, donc avec une tenue hommage donc à Jules Bianchi, puisqu'il est mort un an, jour pour jour, le 17 juillet 2015. Donc, j'ai mis le numéro 17. Donc, je pars pas très bien, parce qu'il y a toute la famille qui est là, donc c'est un petit peu... Juste à côté, là, c'est un petit peu exceptionnel. Donc, c'est que dans les conditions dans lesquelles je tourne cette course. Donc, comme d'habitude, excepté lors de la course des arbitres, on va donc faire cette course. Et donc, bonne course à vous tous. Et donc, on se retrouve juste après. Découvrir un instant cette grille de départ avec Grégos en pole position qui n'était pas là lors de la manche du circuit des arrivées. Je vous rappelle, donc je suis en tête du général et du classement Coupe de France avec 53 points contre 34 au général et en Coupe de France 75 contre 18. Thank you.
Ouais, mais toi, tu te rappelles en course, hein, petite voiture. Là, il faut dire à lui que ça fait un bon départ, mais moi, j'arrive pas à le rattraper. Il va défendre contre Pescarolo. Il va pas le mettre en temps. Et le but qui va se prendre la tête, hein. Je vois que tu serais connecté dans ça, mais nous avons un problème d'internet. Énergie NCVG, on trouve toujours plus tard. Ok. Putain, chien. Ça peut être le péage.
sur le minuscule de France 3 de manche, le champion de France. Et j'étais sûrement que le 6. Thank you.
Cette troisième place.
reste dans la bouche quand même. Non, quand c'est un pseudo, il est dans le primitif.
là je vais vous en faire mon arrêt. En espérant que je serai ressorti assez près en piste. Alors là où je perds le plus de temps sur ce temps. On va voir si là ça va payer. Eh non, même pas. Je me serais fait griller au stand comme d'hab. Moi je perds souvent mes courses sur les arrêts au stand. Donc. Et que c'était celle de Monaco où je me suis fait larguer. Là il a déjà un bon boulevard. Je perds plus de temps au stand que sur la piste. Il aurait dû durer 30 secondes, je viens de perdre 8 secondes au stand. Vous imaginez? Je crois que Max ne s'est pas arrêté lui. Récupérer son leadership pour classement en championnat de France, sauf si moi je vais dire les choses, mais voilà. Je vais faire GTR RS arrête en plein jour. Si ça n'était pas évidemment, il aurait commis une grosse gaffe. Je me demande comment un blitz ça fait pour s'enrouler comme ça. Au départ ça fait un petit peu intrigué. Je sais pas, mais vu le départ canon qu'il a fait, je me demande s'il n'a pas anticipé. Et donc du coup j'aurais peut-être installé ce verrou de faux départ.
rien en vrai, et pourtant je faisais du sur place, moi. C'est que je comprends pas. Je confirme, franchement, NRJN 5DG6, c'est vraiment un problème en réseau. Donc, du coup, comme le veut la règle, comme elle a été utile deux fois le tort 56-950, qui n'est pas là pour cette course. Bon, je vais citer quand même dans la description en tant que leader du championnat de France prototype. Suite aux trois premières épreuves, je vais y arriver. Et ben du coup, voilà, je vais citer. Et bon, ça suffit pas pour autant un dévot sur la pointe de la tête du championnat. Puisque 25 et 18, ça fait 43 et non pas 49. Donc il devra attendre la prochaine fois au moins. Il va reprendre que 6 points sur moi au poste. Sur le championnat général, 40. Enfin, tout ça avec 43 points, mais on ne jouerait que 53 points, ça serait 56. Effectivement, on va battre leur corps.
pourrait faire peut-être 41 ou 42, ça dépendra. Tout en restant. Chaud, 1 seconde 7 entre les deux. Ouais, 1 seconde 7. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Et donc, c'est le premier joueur étranger non français qui s'impose. En championnat de France GT et LMP. Les principaux changements. Et donc voilà,
La confirmation. Objectif rempli, après qu'on soit fin, je m'impose la Coupe de France prototype. Le calcul était simple et puis je vous rappelle bien sûr, tous ceux qui étaient en Coupe de France prototype avaient le droit de passer en championnat ou alors carrément changer de catégorie et là c'est ce qui a été fait. Mais tout de même, Blitz 34-65 concert, c'est 18 points en Coupe de France. Donc ça change pas grand chose en championnat de France, par contre au général ça change tout. Voilà. Bah, c'est une bonne question, donc je vais mettre en plus le classement général. Alors attends, 53, voilà, c'est ça, 65. Je te rejoins pour me rafraîchir un peu. Juste. Voilà donc ce que ça donne au général. Donc autant dire, pour l'instant, tout reste ouvert. Ouais. Donc j'espère que cette fois vous aura plu, j'ai envie de vous abonner, bon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye, ciao, à la prochaine.